Bonjour à tous, je suis Annie Stocker, je suis psychologue et je suis ravie de vous présenter mon livre intitulé « Alzheimer, les aidants parlent aux aidants » publié aux éditions RS dans la collection « L'âge et la vie ». Depuis plus de 20 ans, l'association France Alzheimer Calvados me permet d'accompagner des héros tels que Annick, Alain, Marie-Hélène, Louane et bien d'autres encore. Ces héros sont des personnes qui aident au quotidien un proche atteint de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. Dans ce livre, j'ai choisi de les appeler les aidants, même s'ils sont bien plus que ça. En écrivant ce livre, mon souhait était d'illustrer ce qui se passe dans un groupe d'entraide. Je voulais que le lecteur se sente immergé dans la vie de ce groupe, comme s'il y assistait en tant que spectateur. Pour faire ça, j'ai choisi 9 aidants, une bénévole, une psychologue, qui sont clairement inspirés de personnes ayant réellement existé. L'idée de ce projet est née pendant le confinement en 2020, quand toutes les activités de groupe ont été interrompues. J'ai souhaité rendre accessible à tous, et au-delà des murs de l'association, la richesse des échanges qui se passent dans ces groupes d'entraide. Le partage d'informations se fait de façon pédagogique, avec des outils originaux, extraits de mon expérience et de mes connaissances en neuropsychologie et en thérapie cognitive et comportementale. Les thématiques essentielles de la relation d'aide, telles que le déni, la culpabilité, le deuil, la dépendance, la communication, y sont abordées de façon à faire cheminer chaque lecteur à son rythme. Au fur et à mesure, le lecteur s'identifie au personnage qui lui réserve quelques surprises. Cet ouvrage est en quelque sorte un self-help ou un guide pour s'aider soi-même sur la maladie d'Alzheimer et la relation d'aide. C'est une ressource accessible, stimulante et divertissante, destinée aux aidants familiaux et professionnels. Il est également accessible à tous les lecteurs qui s'intéressent à la relation d'aide.